تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصرين ومعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. On vient sur notre dars, dars mad toujours. Al-mad, étoilat al-saut. Mad, cela veut dire prolongation sur le voix. Quand on prolonge le voix au moment de lecture, au moment de récitation du Coran et Majid, c'est ça ce qu'on appelle al-mad. Huruf maddi, c'est fini les trois lettres, c'est alif, waw, ya'a. On a pris aussi le mad tabi'i, cela veut dire toutes les prolongations. Avec ces trois lettres-là, c'est ce qu'on appelle al-mad tabi'i. Et quand on prolonge le lettre, toujours, toujours avec les trois lettres-là, pas plus. Cela veut dire les prolongations en arabe, prolongation sur les lectures du Coran et Majid, prolongation pour les récitations du Coran et Majid, toujours avec les trois lettres. Soit avec alif, soit avec waw, soit avec ya. On a pris ça, c'est fini les explications pour ça. Aujourd'hui, on prend le deuxième mad, c'est maddul iwab. Maddul iwab. On écrit comme ça, mad al iwab. Maddul iwab, cela veut dire quoi? Mad al-iwab, mad, cela veut dire prolongation. Al-iwab, cela veut dire c'est changement. Mad, mais ici, il y a quelques changements sur les mots. Inch'Allah, je vais vous donner c'est comment le changement, c'est quoi, on change quoi ici. Si vous êtes tout le temps avec nous, avant, on a pris le. En arabe, c'est le waqf. Waqf, cela veut dire arrêt. Les trois qualités de arrêt, on a pris ça au moment de lecture, au moment de récitation. Le premier arrêt, c'est quoi? On a pris, c'est waqful iskan. Et le deuxième arrêt, c'est waqful ibdal. Et le troisième arrêt, c'est al-waqfu biduni taghyir. Et c'est waqful ibdal. Si vous voyez bien et vous êtes avec nous, les maddul iwab ici c'est comme waqful ibdal, c'est comme waqful ibdal, c'est pareil, complètement c'est pareil. Cela veut dire quoi? Si vous voyez à la fin du mot, ça termine par double fatha. Si le mot en arabe ça termine par double fatha, toujours à la fin alif avec cette double fatha là. Par exemple, j'écris pour vous ces mots-là. Ali, man, hakima. Ici, on arrête ici. Ali, man, hakima. Ici, à la fin du mot, c'est double fatha. Ça, c'est double fatha.
Mais la suite, c'est alif aussi, avec double fatha, alif. Mim, ça c'est lettre mim. Mais sur mim, c'est double fatha, suivi de alif. Ici, comment on fait au moment de lecture, quand on récite le mot ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, loi qui dit, si vous voyez les mots comme ça, Aliman Hakiman, à la fin c'est comme ça. Ici c'est mad aussi parce que alif, c'est lettre spéciale pour les prolongations. Lettre spéciale pour les prolongations, c'est alif. Mais le alif, c'est lettre spéciale pour l'accent A. Ça c'est accent A, mais ici c'est double A, mais cela veut dire A aussi. A, an, c'est pareil. Quelquefois on dit A simple, quelquefois on dit an. Oui, les noms c'est pas pareil, mais les positions quelquefois c'est pareil. Cela veut dire A et an, à peu près même chose. Bon, ici c'est double A. Quand on s'arrête ici, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on s'arrête sur deux tanwin, deux fatha, deux accents A, on s'arrête comment? On s'arrête sur A simple. Ici, c'est maddul iwad. Pourquoi maddul iwad? Parce qu'on a changé le deux fatha et A simple, mais il faut prolonger. Je répète. À la fin du mot, si vous voyez comme ça, le position comme ça, double A, ça c'est ce qu'on appelle an. Si vous voyez double A en arabe, quand on récite an. Si on continue. Mais si on s'arrête, on s'arrête sur A simple, mais avec alif toujours. On prolonge le mot à la fin. Ici, hakiman. Mais on s'arrête ici avec alif là, parce que alif, c'est lettre spéciale pour les prolongations. Sur les accents A ou double A, an. Ici, si on s'arrête ici, on s'arrête comme ça. Ali, man, hakima, hakima. Ici, on ne peut pas dire Ali, man, hakiman au moment de l'arrêt. Quand on s'arrête, on ne peut pas dire comme ça. Mais quand on continue, c'est pas grave. On continue sur les lettres mim, par exemple, an, on dit comme ça, Ali, man, hakiman. Après, on vient sur les mots suivants. Ça, c'est autre chose. Mais ici, si on s'arrête sur les doubles A, il faut s'arrêter sur les simples A avec les prolongations. Avec les prolongations. Cela veut dire, ici, le lettre spéciale pour les prolongations, alif, on s'arrête sur A, mais avec les prolongations. Je répète pour vous, c'est comment on récite ces mots-là. Ali, man, hakima. Ali, man, hakima. Miskina. Khabiran, basira. Par exemple. Exemple, hein? Ici, à la fin du mot, n'importe quelle lettre. Ici, c'est mime, peut-être. Autre mot, c'est pas mime, c'est autre lettre aussi. Mais quand vous voyez comme ça, à la fin du mot, double A, suivi de alif, toujours ici, on s'arrête sur simple A, mais avec prolongation. Parce qu'il y en a alif à la fin. Il faut prolonger le mot, il faut prolonger le lettre avec alif. Aliman Hakima. Aliman Hakima. Ou par exemple, Ghafourar Rahima. Je vous donne aussi deuxième exemple. Ici, c'est Ghafouran. Rahiman. Parce que double A. Ici, c'est double A. Mais quand on s'arrête ici, à la fin aussi, c'est alif. Ici, on s'arrête sur simple A, mais on prolonge le lettre avec alif. Parce qu'à la fin, c'est alif. Ghafourar Rahima. Ghafourar Rahima. Ici, ce qu'on appelle maddul iwad. Pourquoi maddul iwad? Al-mad, c'est clair. Cela veut dire quoi, al-mad? Al-mad, cela veut dire prolongation. Mais prolongation qui change. Maddul iwad, c'est comme ça. On appelle maddul iwad, c'est les prolongations qui changent à la fin parce que le an
on change A simple, mais avec prolongation, parce qu'il y a alif à la fin. Ça, c'est deuxième prolongation, c'est maddul iwaf. On a pris deux prolongations. Première prolongation, c'est madd tabi'i. Madd tabi'i, c'est les prolongations avec les trois lettres spéciales pour les prolongations. C'est alif, waw, ya, simple. Avec a simple, si le lettre avant alif, il amène accent a. Si le lettre avant waw, il amène accent ou. Sur les lettres avant ya, il amène accent i, par exemple. Ça, c'est simple. Mais ici, c'est double. Double a. Double a, c'est an en arabe. Au moment de lecture, au moment de récitation, on récite le mot qui amène double a, an. Si on continue. Mais si on s'arrête, comme le waqful ibdal qu'on a pris avant, waqful ibdal, cela veut dire arrêt qui change à la fin, double an, on change a simple. Mais ici, maddul iwaz, comment on dit, pourquoi on dit maddul iwaz? Parce que le 2 an, on change simple a, mais à la fin, il faut prolonger parce qu'il y a alif. Ça termine par alif, ces mots-là. C'est pour cela qu'on dit Ghafour ar-Rahim, Ghafour ar-Rahim, Aliman Hakim, Aliman Hakim. Beaucoup d'exemples dans notre Saint-Coran et Majid. Mais ça suffit, les deux exemples-là, pour connaître que Maddul Iwaz, c'est les prolongations qui changent toujours à la fin, double A par exemple, mais à la fin. La suite, c'est quoi? Ça colle les double A avec Alif, le lettre qui amène le 2 Tanwin, le 2 A, le 2 accent A par exemple, à la fin Alif. Ici, on change. Si on s'arrête, on s'arrête sur simple A, mais avec les prolongations, petite prolongation, parce que à la fin, ce lettre alif, ça c'est lettre spéciale pour les prolongations. N'oubliez pas toujours que prolongation toujours avec les trois lettres. Ça c'est n'oubliez pas. Mais inshallah, on va rentrer sur le forme du mad, parce que quand on prolonge le lettre avec alif, on prolonge, mais peut-être deux, trois fois. Le doigt, on compte comme ça, trois fois. Mais avec mad, un peu plus. Ça, inshallah, on va rentrer sur ça. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajil farajahum wa ahshurna ma'ahum wa la'na a'da'ahum wa arzukna shafa'atahum walhamdulillahi rabbil alamin. مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به.